comme ça, elle me dit bon, mes cheveux, ça fait n'importe quoi, mais bon, on s'en fout. Là, je vais direct sur la salle de sport, je suis habillée tout en gris. Sous quoi. J'ai assorti ma tenue autant qu'il fait dehors. Voilà, j'aurais bien voulu aller tester la salle au centre-ville, là, que je vous avais dit. Sauf que, en fait, je pourrais y aller à pied, parce que la voiture, ce gars en centre-ville, c'est un peu chiant. On peut prendre et payer un parking. Il fait tellement un temps pourri qu'y aller à pied, ça m'enchante pas trop. J'ai l'air que dans le garage, j'ai froid. Donc, faudrait que je m'habille comme je ne sais quoi. Donc, bon, tant pis, hein, au pire, c'est ça pour le printemps. Non, j'irai peut-être de temps en temps, mais voilà quoi. En plus, je connais pas trop encore la salle. Enfin, je connais même pas du tout comment c'est dedans. Que là, à celle où je vais, bah, j'ai mes petites habitudes, quoi. Et je vous ai pas dit, mais du coup, hier, je suis allée chez l'ostéo parce que hier, j'ai pas blogué. Ça fait des reflets chelous dans mes lunettes. Enfin, des ondes bizarres, ça me déforme les yeux. Du coup, genre, elle a travaillé tout au niveau de ma tête, en fait. Elle a fait que ça. Pour essayer, en gros, de me détendre et de travailler des zones avec certains points et tout. Enfin, elle s'y connaît... pas mal là-dedans, je suis dans le noir. Genre elle a des trucs avec tous les points d'acupuncture dans son cabinet, tout ça. Et elle m'a dit qu'elle a eu trop du mal à me détendre pour pouvoir accéder aux zones où elle voulait travailler, en gros. Voilà, j'étais assez fermée, entre guillemets, je sais plus quel mot elle a utilisé, bref. Et du coup je me suis endormie. Comme quoi ça m'a bien détendue, donc j'espère que ça va marcher. Mais comme c'est surtout pour que... Enfin, elle a travaillé ça par rapport à mes maux de tête, bon j'en ai plus vraiment, mais voilà. Et par rapport au mode dos, du coup je vais pas du tout faire une séance dos, je vais faire une séance bras aujourd'hui. Comme ça, ça nécessite pas trop de dos. J'avais fait une séance fesses, au début de semaine. Et demain, normalement je vais au ski, demain je voulais aller à la salle, mais du coup si je fais une journée de ski, ça fait... Je perdrai plus de calories qu'en allant à la salle, donc du coup ça me fera trop un truc de sport pour reprendre, franchement ça va. Et puis j'y retournerai sûrement la semaine prochaine, voilà. Du coup, comme je vais au ski demain toute la journée, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Voilà. Bref, on perd pas plus de temps. Let's go. Fini ma séance, c'est une des séances les plus courtes, séance bras. Mes cheveux, il pleut dehors, franchement, il fait froid et tout. Vite rentrer au chaud. Bon, me voilà rentrée à la maison et en fait j'ai vu ce matin qu'il y avait des boissons néons, qu'il y avait genre des espèces de points blancs et qui allaient pas bien du tout. Sinon j'ai toujours pas retrouvé le jaune, donc franchement j'en ai aucune idée de où il est passé. Je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Comme je vous l'avais dit, le truc, j'avais déplacé la pompe et tout. Je m'étais dit, on sait jamais qu'il aille se coincer derrière, mais bon, ça m'étonnerait parce que, enfin, ils sont assez gros quoi, c'est pas comme les petits néons. Enfin, bref, du coup, le petit néon, je l'ai mis tout seul avec le produit là que j'avais eu comme l'eau de poisson. Donc, on verra. Je voudrais essayer de vous montrer, mais on voit pas très bien. Mais enfin, je pense, je sais pas si vous allez voir qu'il est pas très très en forme, mais bref, il nage assez bizarre. Du coup, je l'ai mis hop tout seul avec du produit, de l'eau. Sinon, je viens de refaire un test de l'eau pour vérifier que tout aille bien et tout a l'air nickel. Donc voilà, je sais pas, ça c'est bizarre. En tout cas, il faudra que je prenne le temps de tout nettoyer parce que là, ça commence à être un petit peu avec des algues à l'intérieur. Mais comme il y en avait qui étaient morts, je m'étais dit, je vais pas faire trop de changements d'eau ces derniers temps parce que enfin, dans la vraie vie, l'eau elle est pas changée et il y a des algues. Donc du coup, j'avais laissé des algues un peu... au sol, tout ça, pour les perturber le moins possible, parce que si en fait si vous nettoyez trop, ça les perturbe et vous enlevez des bonnes bactéries. Du coup j'avais laissé, donc voilà, mais là c'est pas très beau du coup, mais bon. Et j'ai des plantes qui sont pleines d'algues, enfin bref, faut que je nettoie tout ça. Je voulais racheter d'autres poissons, je vous l'avais dit, mais du coup là comme il y en a un qui a été malade, je préfère attendre un petit peu pour voir les autres, parce que s'il y en a d'autres qui deviennent malades et que j'en rachète, enfin ça a rien de contaminer tout le monde. Donc on verra bien, là je vais monter le vlog qui doit être en ligne aujourd'hui, il sera en ligne cet après-midi. En fait normalement le week-end je les mets à 10h, mais je me rends compte que vu que le vendredi soir je le mets vers 17h le vlog, bah en fait il y en a qui regardent par exemple, enfin qui auront même pas le temps de voir ceux d'avant dans leur fil d'actualité, qu'ils auront déjà celui du samedi matin, enfin ouais, je sais pas si vous comprenez. Du coup je pense que je vais les mettre tous à 17h. Comme ça on se prend pas la tête, puis moi ça m'évite le matin en catastrophe de monter mon vlog. Donc, voilà, je vais lancer une machine aussi avec mes blouses de stage, puis je vais mettre mes draps avec, comme tout est à peu près blanc. Et voilà, en fait j'avais commandé des nouveaux draps sur, je crois que c'était La Redoute ou Les Trois Suisses. Je sais pas pourquoi je confonds tout le temps ces deux sites, j'en ai aucune idée de pourquoi. Du coup je voulais en fait attendre de les recevoir pour changer les draps, mais bon il y a un moment donné,
Je vais pas attendre 3 ans non plus. Donc il faudrait que je regarde où en est ma commande. Et en attendant, pendant que j'y suis, je vais vous montrer le calendrier de l'avant du jour. Du coup, je vais vous ouvrir hier. Hier, on était le 15. Puisque j'ai pas vlogué hier. Hier, on avait un baume à lèvres ultra riche, 10% beurre de karité. Ça, c'est cool. Et pareil, en fait, je mets tout le temps un baume à lèvres dans ma blouse de stage pour pouvoir me mettre du baume à lèvres au courant de la journée. Du coup, ça, c'est cool. Bon, sinon, j'ai vraiment pas mal de choses à ranger là. Et aujourd'hui, nous sommes le 16. Et on a un savon parfumé. Si j'arrive à le sortir de là. C'est bon, j'ai réussi. Mais je sais pas si vous voyez, c'est quand même un gros savon quoi. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'utilise pas trop ce genre de savon. Genre pour me laver les mains, tout ça. Mais rien que là, comme ça, même pas ouvert, il sent trop bon. Bon, j'ai monté le vlog qui doit être en ligne aujourd'hui. Il est en train de charger sur YouTube. Mais c'est trop bizarre. Ça, là, ça m'a dit 43 minutes. Et il a fait 40% alors qu'à l'habitude, je mets mes vidéos genre même pas 10 minutes. Trop bizarre. Mais bon, comme c'est à 17h, je m'en fiche un peu. Mais il y a un truc bizarre dans la connexion là. Je ne comprends pas trop. Bref, j'ai appuyé comme ça. Du coup, j'ai une grosse trace rouge sur la joue, c'est magnifique. Et là, je viens de monter le vlog qui sera en ligne demain. Une fois qu'il aura fini de charger sur mon logiciel de montage, je vais monter. Quoi que non, en fait. J'allais dire, une fois que j'aurai fini, je vais monter celui qui sera en ligne mardi. En fait, non, pas du tout, parce que c'est celui que je suis en train de filmer là. Normalement, quand on verra ce vlog, nous serons mardi. Du coup, là, pendant que tout ça charge, je vais aller manger. Il me restait. J'avais quasiment rien mangé, c'était quand? Pas hier soir parce qu'hier soir on a mangé pizza donc du coup il nous en reste un petit peu. Je vais prendre une mini tranche de ma pizza raclette. Je vais laisser le reste à mon copain et moi je vais finir mon assiette d'avant-hier soir du coup. C'était des pâtes au saumon. Voilà, je vais faire ça devant quelques vidéos et après il faudra que je me douche, que je me lave les cheveux, que je fasse du rangement et que je filme une ou deux vidéos pour la semaine prochaine. Voilà, comme ça je m'organise bien. J'ai quelques trucs à fignoler aussi pour mon nouveau stage, je vous l'ai pas dit en fait, mais hier je suis allée voir la cadre de mon prochain stage puisque ça y est mon ancien stage est terminé donc je suis toujours au même endroit mais dans un autre service, ça je vous l'avais dit je crois. Du coup elle m'a fait visiter juste au moins genre les vestiaires et tout et comme il y a une autre étudiante, ce sera l'autre étudiante qui me fera visiter lundi, du coup je suis d'horaire de journée lundi. Et elle m'a donné les clés aussi puisque tout est fermé à clé quoi, donc voilà c'est mieux d'avoir les clés pour arriver quand même. Donc voilà, voilou. Encore pas mal de choses à faire. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ce que je veux aujourd'hui. Parce que comme d'hab, à chaque fois je vous dis il faut que je fasse ci, ça. Et puis à la fin, j'ai pas le temps de faire plein de trucs quoi. Bref, mon copain finit à 13h30 aujourd'hui. Enfin, pour sa pause de midi, après il reprend ce tap. Donc voilà. Je vais réchauffer ma petite assiette et manger. Bon, comme on peut le voir, j'ai les cheveux mouillés. Je me suis douchée, tout ça. Du coup là je vais me démêler un peu les cheveux, j'ai déjà commencé à me sécher les cheveux et ensuite j'ai filmé une vidéo déjà et je dois en filmer une deuxième aussi mais qui va me prendre un peu plus de temps, voilà. Normalement je la publie jeudi je crois que la deuxième mais voilà bref du coup ça va me prendre un peu de temps je pense. Et je viens de voir en fait je vous avais dit que j'avais commandé sur la Redoute des draps. Et tout, une parure de lit. Et je viens de voir que ça arrivait au relais colis. Du coup je pense que je vais faire ça plus tard. Et j'ai reçu le mail d'une marque aussi me disant que j'avais reçu un colis à l'Intermarché. Donc voilà. Je vais aller voir tout ça tout à l'heure. Puis voilà, voilà, il fait tellement un temps pourri, je vous jure que j'ai même pas la motif de filmer. Je remets tous mes éclairages et tout. Mais bon, une fois que j'aurai commencé de filmer, ça ira mieux. Sinon... là je suis en contact en train de parler avec Cityscoon parce que bref je voulais commander un nouveau lit sauf que en fait j'ai la livraison à volonté sur Cityscoon, c'est à dire que je peux recevoir mes colis en un jour ouvré et le truc que j'ai, le lit que j'ai voulu commander c'est écrit livraison assurée avant Noël donc je me dis trop bien et tout, en plus j'ai moins 10% étudiant tout ça bref. Et je vais pour commander et là il me dit la livraison est plus courte à partir du 8 janvier. Donc comme on vous dit, ça va pas trop le faire. Du coup je leur envoie un message. Donc je vais voir ce qu'ils me disent. Puisque normalement, je sais pas exactement quand, mais je devrais recevoir un nouveau matelas. Donc par une marque, je serai pas du tout payée tout ça. Enfin bref, je vous en reparlerai. Et du coup ça sera cool. Et si vous voyez le lit qu'on a, en fait... oui là j'ai enlevé tous les draps, bref. Déjà le matelas, c'est un matelas à mon copain, genre il a des taches et tout le matelas. Puis c'est pas super confortable. Le lit, on avait un problème de latte. Et en fait du coup quand on est couché en fait, on a la tête en bas, enfin bref il y a un creux au milieu. Bref parce que les lattes elles sont pas bien, elles sont trop vieilles et tout. Vu que ça descend en fait, et bah quand tu te réveilles,
là et que tu te relèves d'un coup, tu te prends les barres dans la tête, et combien de fois ça me l'a fait, et en pleine nuit ou dès le matin, comment te dire que t'es énervé pour la journée quoi, donc c'est insupportable. Donc voilà. Et ce que je veux en fait, c'est un lit tout simple, tout blanc, avec juste une tête de lit. C'est un truc en bois en fait, parce que comme le mur est blanc, vaut mieux pas mettre sa tête direct dessus. Au bout d'un moment, ça salit. Et en fait, un lit qui s'ouvre comme ça, avec un coffre en dessous de rangement, comme ça, je pourrais ranger pas mal de choses, genre des couettes, des oreillers ou du bazar à moi. Bref, je trouverai une utilité avec tout ce que j'ai. J'ai pas mal de choses à ranger, voilà. Du coup, bah là, j'attends un petit peu qu'ils me répondent. Enfin, j'attends. Je vais me sécher les cheveux, mais j'aimerais bien qu'ils me répondent assez rapidement. Et si vous entendez, c'est la machine, puisque j'ai lavé mes blouses, comme je vous l'ai dit, avec les draps, et puis j'ai mis un produit exprès pour les trucs blancs, en fait. Comme j'ai fait toute une lessive de blanc, sauf du coup cet oreiller, puisqu'il est pas tout à fait blanc. Voilà, et un truc que j'aimerais bien après acheter plus tard, ce serait des nouveaux oreillers, parce que pareil, ceux qu'il a, genre, ils sont un peu jaunes, ils sont vieux, il y a des taches, ils sont pas hyper confortables. Donc ce sera un truc plus tard à acheter, mais c'est pas du tout le truc principal, parce que moi un oreiller, même s'il est plat, ça me dérange pas tant que ça. Voilà, je préfère ça qu'un gros oreiller où t'as le cou tout tordu. Bref, je vais me laver les cheveux. Je vais me sécher les cheveux. Je vous ai pas dit, mon copain avait posé sur le bord de mon bureau un verre avec encore un petit peu d'eau. Et j'ai fait tomber le verre d'eau, il est tombé dans le sèche-cheveux qui était par terre. Du coup j'ai tout de suite débranché le sèche-cheveux. Et je l'ai mis loin, voilà, parce que bon j'ai pas très envie de me faire électrocuter, et puis je vais utiliser un autre sèche-cheveux, puisque il est où? Il est là. Je vais utiliser du coup le Dyson, parce que c'est pas dans le Dyson qu'il s'est renversé, c'est dans un autre. Voilà, je vais utiliser celui-ci pour me sécher mes cheveux. Bon les gars, je viens de tourner une vidéo, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce petit make-up, et bien ce sera très bientôt dans une vidéo, même que la vidéo sera déjà sortie en fait je pense. Oui, la vidéo sera sortie hier pour vous, je crois. Du coup, je vous avais dit que j'avais des colis à aller chercher dans des relais. Du coup, je vais regarder l'horaire d'un truc. Et je vous avais dit aussi que j'avais une deuxième vidéo à tourner. Non, mais en fait, je vais pas la tourner maintenant. Enfin bref. Parce que des fois, les marques, elles vous disent des trucs. Et en fait, on dirait qu'elles connaissent pas leur marque, en fait. Enfin, je sais pas, bref. Je peux pas vous en parler comme ça, tout de suite, comme ça, tout parler. Mais voilà, bref. Du coup là je vais regarder le message qu'on m'avait envoyé par rapport à mon colis. On verra bien dans quel relais il est. Mes draps là, la redoute, j'avais regardé, ça ouvre jusqu'à 19h donc il va être 17h, c'est nickel. Là d'un coup j'ai eu mal au dos, je sais pas pourquoi mais j'ai trop mal au dos là. C'est génial et j'ai rien rangé encore. Ah là là, ça ferme à 19h aussi donc c'est plutôt cool. Mon copain il finit à 18h et normalement ce soir on va avec ses potes, on va à un trampoline park là. Du coup je pense que ça va être trop bien, je pense pas trop vlogger, enfin je vais pas emmener mon appareil photo, voyez-vous c'est un peu compliqué. Du coup voilà, je pense que j'ai sombré un peu mon make-up des yeux parce que ça fait un peu trop maquillé en mode je vais en soirée alors que pas du tout. Et il faut que j'emballe des cadeaux aussi. Mais pour l'instant je vais manger un petit goûter. Et j'avais dit à mon copain que je voulais une mini part de pizza raclette pour mon goûter, parce que du coup je n'ai pas mangé à midi. Il m'a laissé le quart de la pizza quoi. Moi j'ai dit un petit bout juste pour avoir le goût en fait. Et je pense que pour aller chercher mes colis je vais enlever ce pull. J'adore ce pull mais là j'ai un peu chaud. Et ça me tient chaud de ouf franchement si vous avez eu froid. Ce pull c'est une tuerie quoi. C'est un de chez Undies, c'est un licorne. Si j'arrive à mettre ma capuche. Bon, il est 17h30 là, du coup je vais prendre la voiture, je vais aller chercher mes deux colis. Et ensuite quand je reviens, je range tout ce qui est rangé, parce que du coup là je préfère aller chercher les colis comme ça c'est fait. Puis comme ça ferme à 19h au moins, je sais que je suis dans les temps. Bon hop, je passe en même temps aux poubelles, voilà, très intéressant. Et du coup, let's go. Ça me saoule un peu de reprendre la voiture maintenant. Mais bon, waouh, la lumière me fait... Je suis rouge de partout. Bon, mon premier colis récupéré à l'Intermarché, j'ai cru qu'ils allaient pas me le trouver, ils le trouvaient pas. Et en fait, c'est GLS. Ils sont pas, en fait, c'est pas... Comment dire? Ils sont censés livrer chez les clients et comme elle dit, très souvent, en fait, ils déposent là, direct. Du coup, elle le trouvait pas parce qu'il n'était pas enregistré, parce que voilà quoi. Mais du coup il l'a trouvé, c'est bon, et je vous ouvrirai tout à l'heure, comme ça j'irai mettre les cartons direct à la poubelle, en fait je les ouvrirai dans la voiture. Donc voilà, la direction, le deuxième relais. Bon voilà, deuxième colis récupéré, c'était un petit papier au... c'était dans un bureau tabac. Il a mis du temps à le trouver, hein. Il avait l'air un petit peu lent et du coup...
Et en plus je suis garée dans un parking d'une résidence, parce qu'en fait il n'y a rien pour se garer, les gens ils sont tous au bord de la route. Et il y a déjà des gens au bord de la route, du coup moi je me suis mis là, genre j'avais mis mes feux de détresse au cas où. Mais bon, je vais vite sortir de là. Et puis voilà. Bon, me voilà arrivée dans mon garage. Alors le premier truc que j'ai eu, c'est de la marque Senti. C'est un diffuseur de parfum pour voiture. Le collier est à moitié ouvert, donc j'espère qu'il y avait bien que ça dedans. Donc je sais pas exactement comment ça marche. De toute façon, je regarderai ça, je l'ouvrirai chez moi et je vous dirai. Et avec, il y avait une petite carte comme ça. Voilà, voilà. Et l'autre truc, c'est de la Redoute. En fait, je voulais vous l'ouvrir, mais en fait, ça sert à rien. Enfin, c'est des draps pour le lit et tout. Donc, je vous montrerai plutôt, genre demain ou après-demain. Je vous montrerai ça sur le lit, quoi. Voilà, ce sera mieux. Donc voilà, je vais rentrer. Et puis, ben, on se retrouve demain pour un nouveau vlog.